Bonjour tout le monde et bienvenue dans Clip Tutoriel Informatique. Dans ce vidéo-là, on va voir comment réinitialiser le mot de passe oublié de Windows 11. Donc, pour remédier à ça, on va procéder comme ça. La première chose, il faut bien appuyer sur Shift, que vous allez voir dans votre clavier, appuyer sur Shift et après redémarrer votre ordinateur. En mode sans échec, comme vous allez voir, restart anyway. Voilà, une fois mon ordinateur redémarre, donc on va choisir exactement, on va aller dans la vue de commande et après on va taper ces commandes là. Donc on va taper la commande directement de couper C Windows System 32 utilmain.exe. Donc on va déjà faire un backup de ces utilitaire là de utilman.exe. On va faire un backup, c'est ça qu'on va déjà faire, comme vous allez voir. Voilà, on va le renommer ou bien on va le déplacer à exe backup. Essayez de bien faire attention que vous avez bien noté après le exe de utilman dans la deuxième ligne avec BAK ou bien avec le nom que vous voulez, mais seulement il faut le renommer pour l'utiliser comme backup, pour l'utiliser à la fin de la vidéo. Voilà, comme vous allez voir, BAK. Voilà, pour sauvegarder le fichier. Dans la deuxième commande, on va utiliser pour remplacer le fichier utilmain.exe par l'invite de commande.exe, comme vous allez voir. L'invite de commande.exe. La commande.exe normalement va vous aider à ouvrir la fenêtre d'invite de commande lorsque l'écran de connexion apparaît dans l'accessibilité. Car à partir de l'invite de commande qu'on va réinitialiser notre mot de passe qu'on a oublié et on va mettre un nouveau mot de passe. Voilà, on va appuyer sur entrée pour copier aussi le fichier. On va ajouter Terry Y à la fin. Voilà, essayez de faire attention, vous avez bien saisi le nom, donc on va redémarrer, on va faire continuer. Donc à ce niveau-là, comme vous allez voir, je vais appuyer directement sur accessibilité, et il va m'ouvrir directement l'invite de commande. Voilà. Je tape directement la commande net local group administrateur pour voir la liste des utilisateurs que j'ai exactement au niveau de mon ordinateur, la liste des comptes liés à mon ordinateur. Et c'est bien de faire attention aussi à votre nom d'utilisateur que vous voulez, pour lequel vous voulez réinitialiser le mot de passe. Comme vous voyez, dans mon cas, le nom de mon compte est clubt-11. Voilà, vous voyez, c'est clubt-11. Donc à ce niveau-là, je tape directement net user clubt-11 et après étoile. Il faut bien faire attention que vous l'avez bien tapé. Voilà, j'appuie directement sur entrée. Et après, il va m'inviter à saisir le nouveau mot de passe. Donc, l'ancien mot de passe, ça va s'écraser complètement. Voilà, je confirme mon mot de passe.
Voilà, je ferme et après je peux taper direct mon mot de passe et accéder à ma session Windows. À la fin ici, on va restaurer exactement le Utilman Backup qu'on a renommé tout à l'heure. Donc on va faire la même chose. Comme ça, on retire exactement l'accessibilité pour avoir toujours l'accessibilité à tous les utilitaires. Voilà, utilman.exe. Voilà, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas exactement d'aimer ma chaîne et d'aimer aussi de la vidéo et de la partager avec vos confrères. À la prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.